salut à tous, merci de nous retrouver pour cette troisième journée à l'E3 2013, troisième journée donc, troisième émission consacrée à un troisième constructeur après Sony, après Microsoft. C'est au tour, vous l'avez deviné, de la Ouya, non je déconne, de Nintendo, pour découvrir ensemble le line-up 3DS et surtout le line-up Wii U, puisque la Wii U, on va le rappeler, c'est la console next-gen avec des petites guillemets de Nintendo. Ça se passe donc juste à l'intérieur du Massive Convention Center qu'on va arpenter pour la toute dernière fois cette année. On prend donc grand sa respiration, on s'installe confortablement, c'est parti. Ça y est, nous voilà à l'intérieur du Convention Center pour cette troisième fournée de tour des stands avec le stand Nintendo évidemment qui nous accueille. Nintendo qui possède deux consoles sur le marché, la 3DS XL et la Wii U, sa seule console HD. Et on va parler de la Wii U aujourd'hui car il faut savoir que même si cette semaine forcément on n'a pas trop parlé Nintendo, il n'y avait pas de conférence, il n'y a pas eu tout ce barnum sur les jeux d'occasion par exemple, Nintendo présentait des jeux cette semaine plutôt intéressants, des jeux qui pourraient peut-être dans un futur proche ou à moyen terme, en tout cas, vous donner envie d'acheter une Wii U, à commencer par exemple par la suite de Super Mario 3D Land qui se trouve juste là et qui s'appelle Roulement de tambour, Super Mario 3D World. Voilà, ils se sont pas trop creusés pour le titre. Néanmoins, on espère qu'il y aura plus d'imagination dans le gameplay, on peut le voir juste ici. C'est plutôt sympa visuellement, l'HD ça colle assez bien avec les univers Nintendo. Donc voilà, je voulais vous le montrer et évidemment, on a pu l'essayer. Maintenant, on va parler d'un intrus, tout simplement. Sur le stand Nintendo, les nostalgiques comme moi des années 90 ont le cœur qui se fane d'un seul coup, c'est Sonic Lost World, donc Sonic qui squatte tout simplement le stand Nintendo. Alors il y a une explication assez simple à ça, c'est que Sonic Lost World est une exclusivité Wii U, donc il ne sortira pas a priori sur les autres supports, donc pas de PS3, pas de Xbox 360, Sonic Lost World qui en plus d'avoir piqué un emplacement sur le stand Nintendo, a piqué quelques idées à Mario Galaxy, on en parlera dans un instant. Et pour terminer, le retour non seulement d'une licence qu'on aime bien, mais d'un jeu qu'on aime bien, parce qu'il s'agit d'un remake d'un jeu sorti il y a une dizaine d'années sur GameCube, c'est Zelda, The Legend of Zelda, The Wind Waker, donc le jeu Zelda sorti sur GameCube en cel shading. Il revient avec des textures haute définition, alors ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir le jeu si j'arrive à m'approcher. C'est vraiment impressionnant, ça fait vraiment moderne, on dirait vraiment un jeu 2013 et pas simplement un vague remake HD d'un jeu sorti il y a 10 ans. Pour le coup, le cel shading, ça vieillit plutôt bien, comme vous le voyez sur cet écran, même si on voit pas grand chose avec Link de dessus. Peut-être on le verra mieux ici. Voilà, on a des, on a Link qui sort son arc et qui essaye de tirer sur... les femmes et le jeu vidéo, c'est vraiment pas possible. Bref, en tout cas, voilà, ça c'était The Wind Waker. Bon. Cette demoiselle a essayé de faire ce qu'elle pouvait et on apprécie son effort, mais Sopalin, qui est un expert autrement plus expérimenté sur les jeux Nintendo, va donc nous parler de ses impressions sur Zelda, sur Mario et sur Sonic. Sopalin, à toi la parole, c'est parti. Super Mario World, c'est évidemment la suite de Super Mario 3D Land, c'est-à-dire que c'est un jeu de plateforme en 3D, mais avec une 3D qui n'est pas ouverte, c'est pas un jeu d'exploration comme a pu l'être Mario 64. On est sur des niveaux relativement petits, avec une entrée et une sortie. Et il faut réussir à l'atteindre, évidemment. Et évidemment, trouver au passage tous les petits secrets habituels qu'on peut trouver dans des niveaux de Mario. Ça se joue vraiment de manière très classique. J'ai même pas noté d'éléments particuliers au gamepad. C'est vraiment un jeu, de ce point de vue-là, qui pourrait jouer avec une manette Wii. Et d'ailleurs, en fait, il est fait pour être joué avec une manette Wii, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4. Donc forcément, on en revient vraiment au gameplay un petit peu basique, la croix, deux boutons et pas plus. Moi, j'étais assez satisfait d'une chose, c'est que je cours un petit peu après l'excitation d'un Super Mario Galaxy. On avait vraiment l'impression qu'il y avait 20 000 idées de jeu toutes les 15 minutes. Et là, j'ai retrouvé un petit peu ça, c'est-à-dire que même si de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est un Mario, ben c'est toujours pareil avec Mario, c'est que dès qu'on y joue, on s'aperçoit qu'en termes de level design, il y a vraiment énormément de variétés, énormément de petites astuces, de jeux avec la physique aussi, qu'on n'avait pas vu avant. Et c'est un jeu qui réussit en fait à se renouveler énormément, mais de manière assez discrète de première vue. De croisement assez bizarre entre les derniers Sonic qu'on a pu connaître en 3D et un Super Mario Galaxy avec énormément de jeux de mise en scène et des jeux avec la gravité, des plateformes qui deviennent sphériques,
Ouais, c'est vraiment Sonic qui part un petit peu dans la quatrième dimension de ce point de vue-là. C'est un peu étrange, c'est-à-dire que au début, quand on le prend en main, on a l'impression de ne pas retrouver l'espèce de vitesse propre à Sonic. C'est la première fois qu'il faut appuyer sur un bouton pour aller vraiment vite, parce que sinon, il avance au petit trot. Mais sinon, dans les niveaux les plus réussis, on a vraiment une espèce de mélange assez génial entre Super Mario Galaxy et le côté flipper complètement dingue d'un Sonic. Et les deux ensemble, en fait, ça se marie super bien. Et c'est vraiment un jeu qui est spectaculaire à avoir joué et à jouer. C'est aujourd'hui le jeu qui peut sembler le plus créatif dans le registre de la plateforme. En tout cas, dans le côté on va jouer avec ce qu'on fait pas souvent, la 3D un petit peu dans l'espace. À côté de ça, j'ai peut-être juste un petit bémol, c'est que sur les trois niveaux qui étaient présentés, il y en avait un qui était vraiment très très fade, très très répétitif, alors que les deux autres étaient vraiment très intéressants. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que ça va jouer, c'est sur la capacité du jeu à offrir autant de renouvellement, autant d'idées, autant d'inventivité que ce qu'on a pu trouver dans Super Mario Galaxy 1 et 2. Zelda Wind Waker HD, c'est donc le remake de Zelda sorti sur GameCube il y a une dizaine d'années. C'est un remake au sens le plus simple, c'est-à-dire qu'on passe à un nouveau format, on est en 16:9, à une nouvelle définition, on est donc en HD. On a quelques effets graphiques évidemment qui arrivent, les couleurs sont plus éclatantes, c'est plus lumineux, mais le jeu en lui-même est strictement le même. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'on ne retrouve pas vraiment les sensations qu'on peut avoir avec une manette GameCube, et le jeu a été pensé à l'origine pour la manette GameCube, avec vraiment une attribution des boutons qui était très spécifique. Et là c'est vrai que à l'usage j'ai trouvé le jeu pas très confortable, et ça demande un certain temps d'adaptation pour retrouver ses marques, alors que le premier était beaucoup plus instinctif. Et puis à côté de ça, il y a un confort je trouve propre à la manette Wii U qui fait qu'elle peut être très bien pour certains jeux, mais pour les jeux en 3D c'est vraiment pas la meilleure, et ça pénalise un petit peu je trouve un jeu comme Wind Waker. On remercie donc Sopalin pour ses impressions et on se retrouve avec le petit route GameCube. Donc pour terminer ce stand Nintendo avec trois autres jeux, trois autres grosses licences, à commencer par celle-ci, Mario Kart, qui revient dans un huitième épisode sur Wii U. Le premier évidemment sur la console HD de Nintendo, l'épisode qui doit réconcilier tout le monde, qui doit faire vendre la Wii U, la sortir du marasme et rendre Satoru Iwata encore plus riche qu'il ne l'est déjà. Donc voilà, Mario Kart 8 est enfin là, présent en version jouable, avec évidemment un mode multijoueur intégré, ça c'est Mario Kart, c'est normal. Un autre jeu qui a été annoncé récemment pour le coup, mais c'est une licence Nintendo historique, c'est Donkey Kong Country Returns. Alors pour le coup il s'appelle Donkey Kong Country Tropical Freeze, donc voilà un petit oxymore dans le titre. Donc un jeu évidemment prévu sur Wii U, contrairement à Returns qui était sorti sur Wii, et qui donc sortira incessamment sous peu, qui est plutôt impressionnant et qui est déjà en version jouable. On est comme ça chez Nintendo, on annonce un jeu et le lendemain il est en version jouable sur le stand Nintendo. Je trouve ça plutôt sympa, même si parfois c'est un peu frustrant d'attendre le dernier moment pour découvrir l'existence de jeu. Et pour terminer, un jeu qui est beaucoup plus loin et qui ne sortira là aussi que sur Wii U, c'est un jeu qui a déjà eu un épisode en fait, une série qui a déjà eu un épisode sur PlayStation 3, sur Xbox 360, avec une sorcière en guise d'héroïne, vous l'avez reconnu, malgré sa nouvelle coupe de cheveux, et il s'agit de Bayonetta, le jeu de Platinum Games, une exclusivité Wii U, un beat'em all, le jeu qui fait chavirer le cœur des gamers, qui se mordent les manettes, évidemment, de ne pas voir le jeu arriver sur d'autres supports que les supports Nintendo, qui vont devoir peut-être acheter une console Nintendo, ça fait chier. Mais voilà, Bayonetta 2 est présenté pour la toute première fois en version jouable à cette 3. Je reprends ma respiration, je me calme un petit peu. Et on va accueillir Boulapoire pour parler donc de Bayonetta 2, mais aussi de Mario Kart 8 et de Donkey Kong Country 9. Voilà, les trois jeux Nintendo présentés sur le stand. Boulapoire, on va t'accueillir, à tout de suite. Bayonetta, Donkey Kong et Mario Kart, c'est maintenant dans l'émission de Game Cult avec donc Boulapoire qui erre avec ses lunettes de soleil en mode Youmad sur le stand Nintendo. Alors Boulapoire, t'as joué à Bayonetta, est-ce que Youmad ? I'm mad, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il faut acheter une console Nintendo absolument ? C'est un peu ça, il va falloir en acheter une. Bon, j'avais déjà à peu près vu de le faire, mais je crois que
Sachant que le jeu sorti en 2014, j'ai encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'est une super bonne surprise. C'est vraiment comme le Bayonetta qu'on connaissait. Il n'y a pas vraiment eu de concession, à part quelques petits détails. On va dire qu'il y a eu quelques changements au niveau des furies notamment, qui sont un peu plus faciles à déclencher. Tu as une grosse barre de furie qui se remplit et qui te donne vachement plus de puissance très rapidement dans la démo. Mais sinon, c'est toujours super exubérant, des explosions partout, des combos avec des cancels. Il y a énormément de subtilités qui vont venir dans le système de jeu. Sachant que tu as aussi toujours les torture-attaques complètement délirantes où tu tapes la tête du mec et tu le mets dans une espèce de broyeur. C'est vraiment un jeu Platinum Games sans concession. Il n'y a pas finalement un peu la trace de Nintendo sur ce jeu, je veux dire des features activables avec le gamepad, ce genre de choses par exemple, ou une direction du design qui serait différente du design original? Alors il y a un changement de design au niveau des personnages d'ailleurs, puisque tu peux jouer Bayonetta, mais tu as aussi Jeanne qui est de l'aventure, et en fait elles ont un peu échangé de coiffure, c'est-à-dire que Bayonetta a les cheveux courts et maintenant Jeanne a les cheveux longs. Ça je pense pas que c'est Nintendo qui a demandé, mais comme je te disais, il y a la furie qui change quand même un peu, qui rend les choses peut-être un peu plus faciles, même si je pense que Camilla va pas faire non plus trop de concessions de ce genre là. Et sinon t'as un mode touch qui te permet en fait de jouer avec le stylet, c'est à dire que tu tapes sur les ennemis pour faire des combos et tu swipes pour faire des esquives, donc là c'est vraiment un mode super casual. Mais il y avait déjà un mode dans le Bayonetta original quand tu jouais en Very Easy qui te permettait de faire les combos quasiment automatiquement en fait, pour ceux qui avaient un peu de mal. Juste pour reformuler ma question en fait, est-ce que le jeu est devenu plus facile à cause finalement de son support Nintendo, ou est-ce que tu as l'impression qu'ils sont toujours aussi hardcore sur les timings, vraiment aussi peu tolérants finalement envers les joueurs un peu plus casual? J'ai pas l'impression que ça ait énormément changé, il y a peut-être un peu plus de tolérance sur les esquives, mais le Witcham se déclenche assez facilement. Mais ça reste quand même dans la lignée de Bayonetta, premier du nom, donc il n'y a pas vraiment trop de concessions au niveau de la difficulté. Enfin après c'est vrai que c'était une démo, c'est aussi fait pour que tout le monde puisse la finir d'une certaine manière. Mais le ressenti que j'ai en tout cas est plutôt bon, et ça n'a pas été dévoyé par rapport à l'original. Alors il me semble me souvenir que Bayonetta en fait ses cheveux, c'est sa tenue, c'est ça. Alors on va voir un autre animal poilu, c'est Donkey Kong. Alors Donkey Kong il est en version jouable sur Wii U cette fois-ci, c'est la suite en fait de Donkey Kong Returns qui était sorti sur Wii puis sur 3DS. T'as pu y jouer, il vient juste d'être annoncé. Est-ce que ça change vraiment par rapport aux précédents épisodes? Qu'est-ce que t'as vu? Est-ce que c'est bien? Alors qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que c'est bien? J'ai vu une démo avec 3 niveaux si je me souviens bien. Dont un premier niveau dans la jungle, comme quasiment tous les Donkey Kong. Une des nouveautés, c'est l'arrivée de niveau sous-marin. C'est vrai que c'est un classique de Donkey Kong Country. Ils ont mis en place quelques petits passages sous-marins où tu peux toujours faire, tu fais plus des roulades, tu fais des moments un peu torpilles. Mais sinon, ils ont ajouté aussi un personnage, déjà Dixie, qui fait l'hélicoptère avec ses cheveux et pas avec autre chose. Et il y a aussi la possibilité de tirer sur des éléments du décor, des endroits où tu as des poignées, ce genre de choses, et tu tires dessus et ça active des plateformes, ça donne un passage pour continuer. Mais sinon c'est vraiment le même jeu à proprement parler en HD, parce que c'est vrai que le jeu était sur Wii à l'origine, donc SD forcément. Là c'est vrai que ça pète un peu plus au niveau visuel. Moi je trouve ça super joli hein. Il est vraiment super joli, il y a de super effets de caméra vers la fin des stages, notamment sur les passages en baril, quand tu fais exploser et tout ça. C'est vrai que le jeu est vraiment ce qu'on pouvait attendre dans Donkey Kong Returns, sauf que maintenant t'as des personnages en plus, t'as quelques mouvements en plus aussi. Ça reste du Donkey Kong pur jus, mais ça s'annonce encore comme un très très bon jeu de plateforme. Je repose ma question sur Bayonetta. Donkey Kong Country Returns, c'est un jeu assez peu permissif. Je me rappelle encore d'avoir entendu Puyo crier lorsqu'il l'a testé. Est-ce que tu as eu le sentiment que là-dessus, c'est toujours aussi hardcore? Vraiment un jeu de plateforme pour les durs, les vrais? Encore une fois, c'est une démo, donc c'est un peu difficile de donner un avis sur d'une manière générale, mais c'était vraiment le même rythme et la même exigence pour passer certaines séquences que dans l'original, que dans le Donkey Kong Country Returns. Donc pour moi ça s'annonce plutôt bien.
Et on va terminer avec un dernier jeu, celui qui peut sauver éventuellement la Wii U dans les ventes, c'est Mario Kart. Donc la suite de Mario Kart 7, c'est Mario Kart 8, ça je l'ai pas inventé. Donc qui a été évidemment annoncé par Nintendo officiellement lors de ces 2-3, on savait qu'il allait évidemment arriver sur Wii U. Il est présent en version multijoueur, tu l'as essayé, évidemment c'est beaucoup plus beau parce que c'est en HD. Est-ce que c'est la seule nouveauté ou est-ce qu'on peut s'attendre malgré tout à un certain, alors je vais pas oser le mot renouvellement parce que c'est Mario Kart, une certaine évolution avec un petit E dans la formule de Mario Kart? On va dire que oui, c'est vraiment plus de l'évolution. La principale feature sur laquelle ils mettent l'accent, c'est l'antigravité. C'est-à-dire qu'il y a des passages où ton kart se met tout simplement à... Pardon, madame, monsieur. Se met à flotter au-dessus de la piste. Et c'est des passages où aussi tu peux te retrouver à 45 degrés, voire à 90 degrés, même si la caméra te suit dans ce cas de figure-là. Tu vas vraiment pas pouvoir avoir la tête en bas à proprement parler, puisque la caméra s'ajustera toujours à tes mouvements, en tout cas à la position où tu seras. Donc c'est pas trop mal pour l'instant. Moi je trouve que ça manque de patates, mais c'est sûrement parce que c'est le 50 cm cube. Et les pistes sont encore un peu larges. Ah, c'était ma question, est-ce qu'elles font toujours 200 mètres de large? C'est un peu moins large que sur Wii, qui était vraiment l'épisode de la déchéance à ce niveau-là. Mais les développeurs m'ont assuré qu'ils avaient réduit un peu la voilure sur ce truc-là. On verra bien. Pour l'instant, moi, c'est vrai qu'il me manque un truc vraiment nouveau en dehors de l'antigravité. Tu vois, on n'a pas vu de nouveaux objets encore. Le jeu est prévu pour le printemps 2014, donc ils ont encore le temps de rajouter des choses, mais... c'est juste Mario Kart en vraiment joli. Pour le coup, il est vraiment chouette. Hein. Ouais, il est cool, enfin, il a une bonne gueule. Il me fait un peu penser à Mario Kart Arcade, en fait, les deux épisodes qu'il y avait eu et qui étaient vraiment super beaux. Bah, là, c'est un peu le même truc. T'auras 12 joueurs en ligne, 4 joueurs en local. Le retour des motos, les vilaines motos de Mario Kart Wii. Toujours les tricks en l'air aussi pour gagner des accélérations, des points. On va dire le drift, ça fonctionne de la même façon, c'est plus tu restes longtemps en drift, plus tu vas accélérer, tu vas avoir une pète d'accélération à la fin. Il n'y a pas de gros changements quoi, il y a toujours les Delta Planes de Mario Kart 7 aussi. En fait c'est une espèce de synthèse de l'épisode Wii et de l'épisode 3DS. Alors il y a quelques temps Nintendo parlait beaucoup de son gameplay asymétrique, la possibilité de jouer sur tablette de façon différente qu'avec une manette. Là c'est 3, j'ai plus du tout entendu parler de cette feature. Là c'est un jeu multijoueur, donc logiquement c'est quand même le genre de jeu qui devrait avoir une asymétrie. Est-ce que tu as constaté, boule à poire, là tu te marres, donc je pense que la réponse va me surprendre, un gameplay asymétrique dans Mario Kart 8? Alors écoute... C'est la carte, c'est ça? Alors du jour, il n'y a rien pour l'instant. C'est-à-dire que tu as la carte, évidemment. Je veux dire maintenant, qui se passe de la carte sur le gamepad? Mais, petite subtilité, si tu as envie, tu peux changer, tu vires la carte, et tu as un gros bouton rouge au milieu, et je te laisse deviner ce que ça peut faire. Bah ça lance l'arme, non c'est non ça accélère, je sais pas, ça klaxonne. Ah oui, c'est le klaxon magique, donc tu peux klaxonner comme un con pendant que tu fais ta course. Voilà, t'avais déjà des klaxons sur les autres Mario Kart, mais là... Donc t'es en train de me dire que les cerveaux qui ont créé Mario, Mario Kart, Zelda, tout ce qu'ils ont trouvé à faire avec leur putain de tablette, c'est un bouton pour klaxonner? Bah écoute, pour l'instant oui, je leur avais posé la question en interview, c'est vrai qu'ils étaient toujours dans la réponse « bon, oui, c'est encore en développement, blablabla ». Mais ouais, le coup, mettre juste un gros klaxon au milieu, c'est débile. Et pourtant, j'aime les klaxons, hein, tu vois, moi c'est le truc qui me plaît le plus dans les jeux de voiture la plupart du temps, mais là, faut se rendre à l'évidence, c'est quand même un peu de l'arnaque. Surtout que tout le monde hurle quand on joue à Mario Kart, donc le klaxon, on n'est même pas sûr de l'entendre. Bah écoute, merci Boule à Poire pour tes impressions sur les jeux Nintendo. On va maintenant se quitter. C'était la troisième et dernière émission de cette semaine de 3. Merci évidemment de nous avoir suivis. Merci Boule à Poire. On se retrouve très bientôt pour de vraies émissions de Gamekult qui vont terminer la saison, puis ce sera enfin les vacances. A très bientôt et bonne fin de semaine.